Bonjour à ma team Gossip et bonsoir à ceux chez qui le soleil a déjà levé le camp. J'espère que vous allez bien car ici tout se porte toujours bien avec Ariel Chenet qui crée des polémiques sur la toile avec son nouveau son en featuring avec SH Howling. Je veux que mon nom soit dans bouche belge, quel que soit le prix. Moi, je veux faire le père. Dans l'amour, elle a foutu le camp pour laisser la place à la fusilité. On vit tous au rythme des jeunes des gens. Quand t'as pas de like, tu peux pas mousser. Avant de commencer, j'invite tous ceux qui ont besoin de publicité pour leurs produits, pour leur page Instagram ou alors pour leur chaîne YouTube à me contacter via mon compte Instagram Gossip Pimenté afin de pouvoir faire passer leur message sur ma chaîne YouTube Gossip Pimenté. Alors, ce son d'Ariel Chenet en featuring avec SH Howling porte essentiellement sur les motivations qui amènent à faire du buzz à tout prix sur les réseaux sociaux. Ariel Chenet serait-il en train de faire une confession face aux interminables critiques à son endroit concernant son mentor DJ Arafat qui n'est plus? Car les réactions en commentaire sur la publication de ce son se tiraillent bec et ongle pour imposer la vérité puisque l'intrigue qui crée la polémique dans cette publication est le message qui l'accompagne. Ariel Chenet a précisément écrit ceci sur son post. Après un an, je pense qu'on va commencer à se dire les vérités avant de continuer. Ariel Chenet, depuis que les gens te disent que tu es le Judas qui a trahi Daïchela, ton mentor, tu n'as pas compris quelle vérité là-dedans. En tout cas, ce discours a provoqué tant de réactions inattendues à un tel point que les internautes ne s'attardaient même plus à apprécier son chef-d'œuvre. Que de critiques successives sur sa moralité. Dans le son en question, Ariel Chenet dit que les gens ont perdu leur moralité pour faire du buzz à tout prix. On s'en fout des cons, dira-t-on. Ce qui fait pitié est que sur le net, même les souris se prennent pour des éléphants. Or, le buzz ne remplacera jamais le talent. Ah oui, pure vérité. Sauf que certains estiment qu'Ariel Chenet a aussi cherché à faire ce type de buzz-là lorsqu'il voulait faire plus de vues par rapport à DJ Arafat, son mentor, après lui avoir tourné le dos quand celui-ci l'avait élevé et lancé dans sa carrière musicale. Et oui, les internautes ne se sont pas gênés de lui rappeler qu'il est très mal placé pour parler de vérité et de moralité et qu'il devrait juste se concentrer sur sa musique que de faire des longs discours. D'autres encore estiment que depuis que DJ Arafat a disparu, Ariel Chenet est incapable de sortir un son à lui. Il ne fait que des featuring. Qu'a-t-il donc fait de son talent de pianiste et de guitariste? Bref, Ariel Chenet s'est fait correctement lyncher. Les appréhensions ont plus été centrées sur lui comme acteur de buzz de mauvaise moralité pour son comportement incohérent envers son mentor DJ Arafat que pour la qualité du son proposé au public. Alors, ma team gossip, pensez-vous qu'Ariel Chenet devrait parler de moralité comme vérité par la voix de sa musique? Est-ce qu'il ne devrait pas être pardonné une bonne fois pour toutes par les Chinois et laisser faire avancer la musique ivoirienne? Donnez vos avis en commentaire, partagez la vidéo et mettez plein de likes. On se dit à bientôt pour la prochaine tasse de thé.